coucou, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Alors moi je suis en train d'aller au boulot. Je vais qu'à mes occupations quotidiennes, comme je l'ai toujours fait. Excusez-moi. Pardon. Ah, c'est difficile. Oh, mince. J'avais pas enlevé la carte de mon portefeuille. Excusez-moi. Ma carte est tellement... Excusez-moi. Ma carte, elle est coincée dans le portefeuille. C'est bon. Alors, bonjour Amamouka, bonjour Malika Pangui. Excusez-moi. Donnez-moi juste un instant. Voilà. Kadi Binaté, bonjour ma jolie adorable duchesse, bonjour à vous. Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée a bien commencé. Donc, moi je suis sur le chemin du boulot. Je vais qu'à mes occupations quotidiennes et j'attends mon métro. Voilà, j'attends, on l'appelle ici à Rouen le métro. Mais c'est un tramway qui est souterrain par endroit et nous, par contraction, on dit le métro. Donc j'attends mon métro tranquillement. Voilà, je n'ai pas à m'inventer une vie. Et j'avais une voiture qui a été revendue. Malika Mpangui dit, je viendrai te demander un mariage bientôt pour mon grand frère. Ah ok, mais bonne nouvelle. Donc j'avais une voiture qui a été revendue. Et malheureusement, je n'ai pas encore pu obtenir mon permis de conduire. Donc j'y travaille. Et c'est un de mes objectifs prioritaires en 2023, vraiment passer mon permis le plus rapidement possible. Quant à ce qui est pour la voiture, bon voilà, en France ici, on sait comment ça se passe. Le plus important, c'est le permis de conduire. Alors, je vous fais ce petit direct en coup de vent. Dans un premier temps, pour vous donner de mes nouvelles, pour vous dire que je me porte bien. Corinne Mungue, bonjour ma jolie, j'espère que tu ne vas plus retomber dans ces bêtises. Hein. Gardez-vous des portes, s'il vous plaît, pour la fermeture. Merci.
vous êtes tous adorables. Vous êtes tous adorables. Vous voulez tous me caser rapidement. D'accord. Envoyez les propositions. On va étudier. Seulement rigoler au point où j'oublie ce que je suis venue vous dire. Alors, je suis en train de dire que je fais ce direct en coup de vent pour, dans un premier temps, vous donner des nouvelles, vous dire que je me porte bien, que je me porte très très bien. Je voudrais vous rassurer parce que vous avez été nombreux à vous inquiéter. Bonjour Chantal RM. Vous avez été nombreux à vous inquiéter après mes récentes sorties sur les réseaux sociaux. Comme vous avez pu le constater, j'ai effacé tout ce que j'avais posté en rapport avec. Avec mon ex, désormais mon ex, c'était assez officiel. J'ai effacé tout ce que j'avais posté parce que on est une famille, certes petite, mais on est une famille. Vous savez, ma famille biologique est fatiguée de cette histoire. Je vous le dis en toute honnêteté. Ma famille biologique est fatiguée de cette histoire, à tel point que lorsqu'ils ont découvert que j'étais encore en relation avec cette personne jusqu'au 23 décembre, entre guillemets, ils n'ont même pas. Personne n'a même venu vers moi pour me demander qu'est-ce qui se passe, parce qu'eux-mêmes ils sont dépassés en fait. Par contre, vous, vous avez été là, encore une fois, vous n'avez pas été injurieux, vous n'avez pas été injurieux, vous n'avez pas été sarcastique, vous m'avez rappelé gentiment à l'ordre, et je vous ai écouté, et ça m'a permis de me reprendre assez rapidement, parce que il y a franchement aucun intérêt. Aucun intérêt à entrer dans ce jeu parce que connaissant la personnalité perverse et narcissique des personnes en face, c'est un jeu idéal pour elles. Donc je ne suis pas de cette espèce, ça ne me ressemble pas. Tout le monde peut péter un câble, c'est humain. C'est humain, tout le monde peut péter un câble, c'est humain. Même Jésus au temple a pété un câble à un moment donné, donc ça peut arriver à tout le monde. C'est pas le fait de se séparer qui est un problème pour moi, bien au contraire. C'est pas le fait de se séparer qui est un problème pour moi, bien au contraire. Je l'ai appelé de tous mes voeux. J'ai essayé plusieurs fois de me sortir de cette relation, croyez-moi, mais je n'arrivais pas à me soustraire définitivement à une certaine emprise. Il y avait toujours des petites choses, des petites portes que je laissais ouvertes et qui faisaient que cette histoire continuait de traîner. Mais en toute sincérité, je ne me retrouvais plus dedans. Et d'ailleurs, je l'ai dit, redit à la personne, il n'était pas envisageable que je rentre en 2023 dans cette situation. Donc voilà, j'explique très rapidement, je ne rentre pas dans les détails du pourquoi ou du pour,
du pourquoi ou de par qui, du pourquoi ou de comment. Simplement vous dire que je vais bien parce que mentalement, j'étais déjà préparée et consciemment, je savais que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Donc, au contraire, je bénis le Seigneur que tout a été dévoilé parce qu'en fait, on continuait à me manipuler à travers le mensonge. Mais là, tout est dévoilé, donc c'est bon. Si je suis sortie, comme vous m'avez vu sortir, bonjour Pascal, ouais. Blessing Dieu. Toi, tu t'appelles Blessing Dieu, mais tu n'as aucune, je veux dire, aucune compassion, aucune empathie, plutôt. Donc, alors, si vous m'avez vu sortir de la manière dont je suis sortie la dernière fois, en fait, ce sont les menaces, en fait, les malédictions. Les malédictions, j'ai pas tout mis hein, parce que voilà, les malédictions, on s'aime plus, on s'aime plus, parce que on s'aime plus, on s'aime plus. T'as trouvé quelqu'un, t'as trouvé quelqu'un. J'ai cru comprendre d'ailleurs que sa nouvelle compagne serait enceinte, et d'après ce qu'on m'a dit, il y a un petit ventre bien arrondi, donc vous comprenez que c'est une histoire qui traîne. Depuis un certain temps, donc ça veut dire qu'en face, j'ai des personnes de la même famille, sans aucun scrupule, des personnes prêtes à tout, voilà, pour avoir un homme. Grand bien leur en face, je n'ai aucun jugement là-dessus. Moi, je suis sortie de là, et je m'en réjouis, et je félicite le Seigneur. Je vais vous dire une chose, c'est mon histoire, je ne viens pas salir quelqu'un ou insulter une personne, c'est mon histoire. Je pense que je suis une femme forte, voilà, ce matin je me félicite, je me tiens droite devant vous, plus droite que jamais, droite dans mes bottes, et je me félicite parce que je sors de cette histoire. Sans trop de dégâts corporels et psychologiques, parce que c'est quand même une histoire où il y avait beaucoup de violence à la fois verbale, comme vous avez pu le constater. Je vous en ai mis un petit bout. Beaucoup de violence verbale, beaucoup de violence physique, beaucoup de violence psychologique, beaucoup de dénigrement, d'intimidation en permanence. La seule chose qui m'a fait sortir il y a quelques jours, c'est lorsqu'on me menace que je vais perdre mon appartement, je vais perdre mon travail. Mais t'es parti, pourquoi tu me souhaites de perdre mon appartement, tu me souhaites de perdre mon travail? Moi, normalement, c'est moi qui devrais me comporter comme ça. Si vraiment je ne l'accepte pas, cette séparation, c'est moi qui devrais me comporter comme ça. C'est moi qui devrais être en train de le maudire, en train de... Mais je suis tout le temps en train de lui dire, vraiment, j'espère que tu trouveras la paix. Si tu as trouvé quelqu'un, que tu es bien avec cette personne, vis ta vie. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je vois la tête du bonhomme, bah, franchement, le bonhomme, c'est lui pas sur son visage. Voilà, on me dira certainement que c'est par jalousie. Mais non, je n'ai rien à récupérer. Je n'ai rien à récupérer du tout. Je me bats pour d'autres choses plus importantes. Donc je vous explique en même temps le pourquoi de ma sortie. Et je m'excuse auprès de vous. Je m'excuse auprès de vous. Parce que lorsque j'ai vu la qualité des personnes qui m'ont appelé, j'ai une petite page qui n'a que 13 000 abonnés. Je suis, on va dire, une blogueuse à temps très très partiel. Prochaine station, Avenue du Camp. Ah non, pas de la fin.
Joséline de Londres, honnêtement, ma chérie, j'en ai rien, rien à carrer. Moi, je vous le dis du fond de mon cœur, j'en ai rien à carrer. J'en ai rien à carrer. Depuis que les gens ont commencé à m'appeler pour me dire il y a telle chose qui se passe dans la ville, je l'ai fait asseoir à chaque fois. Je lui dis, mais on me dit ci, on me dit ça. Mais je n'avais pas de preuves. Et à chaque fois, il n'y est. À chaque fois, il n'y est. Les mêmes personnes avec qui je le vois et qui sont au courant de cette histoire, les mêmes personnes parlaient dans la ville, se moquant de moi et tout. Quand je lui parlais de ça, mais il insultait ces personnes-là. Il insultait ces personnes pour vous dire que voilà, c'est un autre level. C'est un autre level. C'est un autre level. Donc, j'étais en train de dire que je vous demande sincèrement pardon de m'être exposé, de m'être affiché comme ça. Merci de m'avoir appelé à l'ordre. Vous êtes des personnes sincères. Flora Gezalo, quel buzz ma chérie. Moi, je ne suis pas ma BS. Tu seras toujours ma BS à vie. Quel buzz ma chérie. Je ne veux pas de ce buzz-là. Non, 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 je ne veux pas. Je ne veux même plus être assimilée de près ou de loin à ces personnes-là. Je suis très bien. Franchement, je suis très bien comme je suis. Je suis tranquille. Voilà, il n'y a plus personne pour me dénigrer, pour m'insulter, pour me rabaisser, pour me comparer toujours à tout et n'importe quoi. Merci Flora Gezalo, ma BS de toujours. Très très bientôt. Oui, tout à fait. Je lisais le commentaire de Stéphanie Delocq. Je suis droite. Je suis droite dans mes bottes. Je suis droite dans mes bottes. Plus debout que jamais. Plus debout que jamais. Déterminée à prendre soin de moi et à aller bien. Donc, j'étais en train de dire que je m'excuse sincèrement de cet étalage-là. Ça ne me ressemble pas du tout. Et je voudrais également vous redire merci d'avoir été honnête envers moi. Tous ceux qui ont pris la peine de m'écrire, tous ceux qui ont pris... Désolée, je n'ai même pas encore lu tous les messages. Si je ne vous ai pas encore répondu, ne pensez pas que je vous snob. Non. On est toute une famille. On est toute une famille. C'est pas tout le monde qui prendra sa caméra forcément. Pardon, pour venir sur les réseaux pour faire des directs. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à moi en fait. C'est-à-dire que lorsque elles me voient, elles s'identifient, elles disent « Ah, voilà quelqu'un qui a des valeurs que je porte, qui a des valeurs qui me parlent. » Et ces personnes-là font beaucoup partie, j'ai beaucoup beaucoup de ces personnes-là font partie de ma communauté. Ma communauté est constituée de beaucoup de ces personnes-là qui ont été vraiment honnêtes, qui m'ont dit les choses vraiment comme il fallait me le dire. Et vous avez constaté que très vite, j'ai tout supprimé et j'ai pris les mesures qu'il faut parce que nous sommes en France, on n'a pas harcelé indéfiniment une personne. J'ai pris les mesures qu'il faut, je me tiens prête. Et je me tiens prête à faire parler le droit si jamais de tels agissements venaient à se répéter à l'encontre de ma personne. Voilà, j'ai été trop gentille. Je voulais bien faire les choses. J'ai, en me disant, la fin d'une relation n'est pas une fatalité. C'est pas la fin du monde.
Mais en fait, on a été cynique jusqu'au bout. Cynique jusqu'au bout. Je ne m'étalerai pas davantage sur certains détails, mais je vous assure que même encore, aujourd'hui, je me demande comment on peut être animé d'un esprit aussi diabolique. Quel intérêt? Moi, je trouve quelqu'un. Je dis à l'autre, ben, écoute, désolé, ça ne peut plus continuer. Je te laisse la possibilité, toi également, voilà, d'être heureux. Sinon, on sait très bien que, en temps normal, je ne peux pas rester seule bien longtemps. Mais en fait, on fait en sorte d'envahir ton espace de telle sorte que tu ne puisses pas avoir la possibilité de te reconstruire sentimentalement. Et pendant ce temps, on vit une vie de couple avec quelqu'un d'autre. Quel genre de personne fait ça? Oui, vous savez, personne n'est à l'abri, je dis ça. India Wall chérie, je ne pense pas que ce soit le caractère qui fasse la différence. Je pense que vous voyez depuis les étalages qu'on fait, la maison, les voitures. Donc, et puis de toute façon, les raisons qui les poussent à être ensemble leur sont propres. Voilà, leur sont propres. C'est juste que, voilà, ils m'ont mêlé à leur histoire. J'ai jamais voulu faire un ménage à trois. Mais petit problème de connexion. Petit problème de connexion. Oui, j'étais trop gentille, oui, c'est vrai, parce que quelque part, c'est ma nature, en fait. C'est ma nature. Être gentille, c'est pas un défaut. C'est la personne qui utilise ta gentillesse pour te détruire, c'est elle qui a un problème, en fait. Il faudrait qu'on se dise les choses. Ben, je suis trop gentille, je suis comme ça, en fait. Donc, mais vous trouvez que je suis très gentille, mais quand vous entendez la personne parler de moi, je suis le diable personnifié, en fait. Donc, vous voyez. Donc, c'est pas la personne qui est gentille qui a le problème. C'est la personne qui abuse de la gentillesse pour essayer de détruire quelqu'un. Parce qu'on est au-delà de juste faire du mal à une femme. C'est une destruction sciemment pensée, en fait. Sciemment pensée. Tout est mis en place, on réfléchit. Comment on va faire? Je sais pas. Pour quel bénéfice? Je sais pas. Donc, très honnêtement, je m'en fous de ce qu'il peut leur arriver, de bien comme de mal. Malheureusement, c'est encore tout frais, donc moi j'ai bloqué, hein, j'ai bloqué de partout. Et je dis, je vais passer un message aux personnes qui marchent avec lui, qui sont clairement identifiées, qui m'insultent, qui me traitent de je ne sais pas quoi, sous les postes. Désormais, parce que je sais qu'il va regarder mon direct, parce que je sais qu'ils vont tous regarder. Si je vois, et en plus c'est des personnes clairement identifiées qui habitent dans la ville, voilà. Je vois une personne encore venir m'insulter, me traiter de n'importe quoi, je ferai appel à la loi. Je ferai appel à la loi. Donc foutez-moi le camp, vivez vos vies, faites des enfants, des millions, des milliers, foutez-moi la paix. Je fais ce direct pour clôturer ce chapitre. Voilà, pour clôturer ce chapitre. Et vous rassurer que je me porte très bien. Je me porte très bien. Voilà.
De toute façon, ces derniers temps, vous voyez un peu mon état d'esprit, un peu. Vous voyez mon état d'esprit, je fais mes petites vidéos de rigolade, j'évite même de rentrer dans les buzz un peu compliqués. Voilà, parce que voilà, j'estime que c'est pas ma ligne. C'est pas ma ligne. Voilà. Et je voudrais redire que ma vie, elle est ma vie. Je n'ai en rien envié la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Et du haut de mes 42 ans, voilà, je suis plutôt fière de moi. Et j'ai mon style, j'ai ma vie, j'ai mes choix, j'ai ma façon d'être. Je suis une soignante. J'habite à Grand-Quevilly. Je suis mère d'un enfant biologique et de deux autres enfants adoptifs. Et je suis fière de la personne que je suis. Et vous m'avez démontré que j'ai ma place sur les réseaux sociaux parce que j'apporte un autre son de cloche en fait. Je ne suis pas forcément dans le match vu, dans le bling-bling. Ça peut arriver à tout le monde. Un jour ou un autre, je dis, tiens, je vais un peu. Voilà, je vais un peu déranger. Je vais même pas appuyer sur déranger. Mais la réalité, c'est que la plupart des femmes, en tout cas en France, elles passent le temps à courir. Elles passent le temps à courir. C'est des femmes qui travaillent. Et quand elles se lèvent le matin, vous voyez que la plupart du temps, quand J'aime je pas fais quand mes tu dis vidéos, ça. je suis sur le départ du boulot. Je vole 2, 3 petites minutes pour faire mes vidéos, tout ça. J'ai mes vêtements que je porte de la vie de tous les jours. J'ai des vêtements que je porte parce que dans ces injures-là, on compare les styles vestimentaires, on compare ci, on compare ça. Je ne suis pas dans ces comparaisons puériles et enfantines. C'était ça. Si je dis comme c'était mon chicken, je vais merci beaucoup Sabine Roger. Donc je continuerai de faire mes directs avec mon style que vous connaissez, que vous aimez d'ailleurs bien, que vous avez adopté. Je continuerai à prodiguer des conseils, à partager mon expérience. Également, je profite pour dire, pour passer un message à tous les annonceurs. Voilà, si vous avez des activités et que vous aimeriez vous faire connaître sur la toile, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter parce que c'est une des rubriques importantes de ma ligne éditoriale. Voilà. Merci beaucoup, Andrea Manatal-Pal. Vous êtes belle et intelligente, l'Asie fille du continent. Merci beaucoup. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Oui, je suis née le 3 mars 1980, très exactement. Le 3 mars 1980, à l'hôpital central de Yaoundé. C'est une femme de 42 ans, accomplie, que vous avez devant vous, et dans quelques mois, avec la grâce de Dieu, j'aurai 43 ans. Alors, que souhaiter de plus? 43 ans, je m'étonne moi-même de me dire, tiens, je vais avoir 43 ans. Je m'étonne. J'ai encore une énergie de dingue. Ces derniers temps, je me suis mise au sport. Je suis en train de perdre mes kilos superflus. Mais je me sens bien. Je me sens vraiment. Je vis très bien ma quarantaine, en fait. Et justement, je me disais, je suis en train de vivre un des plus bels âges. Un des plus bels âges de ma vie, vous comprenez mon expression. Je suis en train, c'est le moment où voilà, je dois m'épanouir en tant que femme, à tous les niveaux, même sexuellement, voilà, psychologiquement, spirituellement, je dois m'épanouir. Et je me disais, mais je ne vais pas gâcher ces beaux moments-là, ces beaux moments. Je suis à un âge où je n'ai rien envié à une fille de 20 ans. Je n'ai rien envié à une femme de 50 ans. Je suis à un âge où je peux tout aussi plaire à un jeune de 20 ans, comme je peux plaire à un jeune de 30 ans,
comme je peux plaire à un jeune de 40 ans, comme je peux plaire à un homme de 50 ans, de 60 ans, même jusqu'à 70. Ça dépend. S'il est bien conservé. Donc, merci pour les 100 étoiles. Qui m'a envoyé les 100 étoiles? Et voilà, je voudrais dire que je n'ai pas de problème, parce que voilà, il y a un commentaire qui me fait penser à cela. Je voulais dire que je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens. J'ai, durant ces 4 années, près de 5 ans, j'ai côtoyé la culture ivoirienne. Je l'ai adoptée. Elle fait partie aujourd'hui de mon mélange. Et j'ai rencontré beaucoup d'Ivoiriens, des Ivoiriennes. Parmi même mes amis proches, même si on ne se voit pas tout le temps, se comptent parmi eux et parmi elles des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Je n'ai absolument pas. Voulez-vous être... D'accord. Donc, je n'ai absolument pas de problème avec les Ivoiriens, non. Ce serait une belle victoire pour ces personnes-là si je me mettais à haïr une communauté à cause d'une personne, non. Je n'ai pas de problème avec les Ivoiriens, je n'ai pas de problème avec les Camerounais. Voilà, il s'agit de personnes qui ont des comportements diaboliques, je le dis, des comportements diaboliques. Ce sont des cas isolés. Autant on peut trouver de tels comportements en Côte d'Ivoire, on peut trouver de tels comportements chez les Camerounais. Et je salue toute ma communauté ivoirienne qui me soutient. Certains m'ont appelé de loin, de Londres, du Canada, des États-Unis, du Maroc, de la Côte d'Ivoire. Donc, merci à vous tous. Ah, la même date que mon petit-fils, c'est des personnes chanceuses. Je comprends tout avec expérience, en connaissance de cause de ce qui s'est passé, c'est humain. Après, ça ne dépend plus de lui. Non, rassurez-vous. Justement, c'est ce que je suis venue vous dire. Moi, je m'en fiche. Ça peut faire 1 milliard de postes. Le jour où je rencontrerai quelqu'un, et je sais que ça va m'arriver, je ne vous le dirai même pas de sitôt, en fait. Je ne viendrai pas m'afficher. Parce que déjà, je ne referai pas les mêmes erreurs. Parce que je n'aurais pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc ça peut multiplier les postes à l'infini. Je connais tout le monde le personnage. Ça peut multiplier les postes, les directs, les n'importe quoi, tout ce que ça veut. Déjà, sa page est bloquée. Je l'ai bloquée sur... sa page est bloquée sur mes différents téléphones. Donc je ne risque même pas de voir ses actualités. Je ne risque pas de voir ses actualités. Et j'essaie de faire comprendre aux personnes qui m'appellent, qu'on me dit, tiens, regarde, il a dit ça et c'est tout, que franchement, je n'ai pas besoin de ça. Après, ça ne va pas forcément d'une mauvaise intention. Peut-être que ces personnes le font parce qu'elles sont outrées ou quoi, mais j'essaie de faire comprendre aux gens. Et je pense qu'avec le temps, voilà, ça va aller. Ça va durer le temps que ça va durer. Mais moi, je m'en fiche. Mais alors, je m'en fiche. Donc voilà les amis, merci beaucoup. Je vais relire les commentaires après. Pour voir qui m'a envoyé 100 étoiles. En tout cas, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour votre soutien. Donc... Je suis, je reste et je demeure la seule duchesse d'Oran. Merci à vous, je vous aime.